Bonjour à tous et à toutes, ici Amidou ce gamer du 76, on se retrouve sur The 7 Deadly Sins Grand Cross, la version globale. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de faire un max de pouces bleus pour améliorer le référencement de la chaîne sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos de la chaîne ainsi que les lives. Et surtout, dans l'espace des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, donner vos avis personnels et encourager ou apporter le soutien à la chaîne dans le respect et la courtoisie. Donc on se retrouve alors pour une vidéo donc très qui risque d'être assez longue puisque nous avons le début de l'événement de connexion des 100 jours. Donc ça fait un petit peu comme la dernière bannière step-up que nous avons eue sur la Jap. Donc pour ceux qui jouent pas à la Jap, hein, voilà, je vous expliquais. Nous avons une bannière step-up. La bannière step-up, d'habitude, vous payez dedans, vous dépensez pour obtenir des multis. Donc, au début, c'est 30, après la deuxième, c'est 31. Enfin, pour la globale, c'est comme ça. Pour la Jap, c'est un petit peu différent. Voilà, il y a moins d'étapes et tout ça. Et donc, là, on vous donne un ticket. Donc, c'est-à-dire que pendant, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on peut faire un tour complet 10 step-up de la globale gratuitement. Donc chaque jour vous avez un ticket, vous pouvez faire votre multi et essayer d'obtenir le personnage de la bannière. Donc de toute façon la berline vous l'aurez quoi qu'il arrive garantie à la fin de ce step-up. Donc voilà, si vous la lootez avant, tant mieux pour vous, ça vous fait une pièce du money shop en doublon. Vous avez aussi la Elisabeth de Lyonnaise et c'est ça que vous pouvez aussi obtenir. Donc tout est gratifiant. Voilà, il n'y a que celle de la Valentie qui me chiffonne un petit peu. On va aller voir ça un petit peu, comment ça se passe. Donc, on a la première récompense. Donc, on a notre première ticket multi gratuite de la bannière de Merlin bleu. Et nous avons notre ticket habituel et on a notre SSR. Comme toutes les semaines, vous avez toujours un SSR. Donc, comme c'est marqué, Merlin sorcière suprême infinie à l'étape 10. Donc, voilà. On a aussi tirage renforcé, donc taux d'amélioration amélioré pour tremblement de terre, Valentine, chercheuse d'armes. Donc normalement, il devrait y avoir une bannière step-up pour la Valentine. En sachant que nous avons toujours là le step-up où vous pouvez avoir le Méliodas démon bleu. Hein. Donc ça fait comme Bénédiction de Véronique, prix de vente augmenté de 20% dans les boutiques de n'importe quel chapitre actif. Ah! Alors ça, c'est bien. Ça, c'était ça que je me posais la question sur le patch note, parce que je me posais la question, est-ce que, en fait, parce que c'était marqué qu'on avait la bénédiction de Véronica, mais que si, voilà, fallait l'appeler ou un truc comme ça, et là, en fait, elle est en permanence. Donc, on n'a plus besoin de l'appeler, je crois. Ou alors, peut-être, il faut la rappeler, et quand elle vient, en fait, le bonus est tout le temps actif. Alors qu'avant, c'était de 1 heure. Expédition débloquée. Alors ça, par contre, ça commence à me prendre la tête, ça, cette messagerie. Ça ne m'intéresse pas. On va mettre un petit peu de son quand même. Hein, voilà, hein, histoire de. Voilà. Alors, on va voir s'il n'y a pas des choses qui ont changé ici. Vitesse d'animation, non. Connexion de réseau, notification, langage. Voilà. Alors. On va tout faire dans l'ordre pour ne pas louper les choses. Alors, tout d'abord, on va aller dans les bannières de tirage. Donc, nous avons bien le step-up de la Merline bleue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 10 étapes. Sur la version japonaise, c'est pas 10 étapes, c'est 5 étapes, je crois. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus du tout. Je sais plus du tout ce que c'est, ou je crois que c'est 7. Donc, moi j'ai 23 diamants, donc on va aller faire notre première multi, hein, bien sûr. Hein. Ou alors peut-être on va aller regarder les autres bannières. Donc, bien sûr, la Valentis qui est un petit peu abusée, c'est que c'est une step-up payante. Voilà. Donc, il vous faut des diamants pour la faire. Donc, moi personnellement, ça prend ma priorité, puisque ma priorité c'est d'avoir le démon bleu Meliodas. Je ne l'ai toujours pas et il se termine la semaine prochaine. Donc moi la priorité ce sera le Méliodas démon bleu, donc en sachant que là je suis à 80, donc la prochaine si j'ai pas de SSR, donc en fait je pourrais avoir un SSR garanti. Donc voilà. Donc on va commencer, on va un petit peu étayer. Alors, on va aller voir les récompenses aussi. Hein. On a toujours les récompenses de compensation. Souhaitez à Genesis faire un joyeux anniversaire à Gozer. C'est le seul Gozer aujourd'hui, ils ont préparé une lecture potable en guise de cadeau.
Ça, c'est ce que j'avais besoin sur la jappe, en fait. Donc, ça, je vais pouvoir le donner, en fait, à Gozer. Là, maintenant, c'est terminé. On a 3 diamants. Ensuite, on a 10 tickets. Donc, voilà, ça, on va pouvoir aller voir comment ça fonctionne, bien sûr. Et là, on récupère ça. On va aller faire notre petite multi gratis, puisque sur la version globale, elle est gratuite. Donc, on va aller la faire. Faut regarder une malheureuse publicité. Parce que sur la japonaise, vous êtes obligé de dépenser un diamant. Quand même. Alors, on va couper. On s'en fout. On ne sponsorise rien du tout. Donc voilà, c'est une vidéo qui va être, risque d'être particulièrement longue. Donc on va essayer de faire les choses correctement. Hein. On essaie de ne pas louper. On va faire petit à petit pour ne pas louper tous les détails de la mise à jour, pour ne pas passer à côté de certaines choses parce que la mise à jour est assez conséquente. Alors, la publicité est terminée. C'est bon. World Vision. Par contre, on fait comment? Voilà, c'est là. Allez, on va voir ce que ça va donner notre single gratuite de la journée. Allez, tu vas nous donner quelque chose. Ah, pas de hook, rien du tout. Ah, on a les yeux qui s'allument. Oh, le mode démon. Oh, ça commence bien. Allez, le counter. Ça commence bien. Il a quoi comme arme? Ah, on est dans la brandida. Donc là, on a un SSA garanti, les amis. Voilà, qu'est-ce que ça sera comme personnage? Est-ce que ça sera un personnage que je ne possède pas? Bing! Ça fait plaisir. Pour commencer, déjà un SSR. Alors. Ah, c'est le gros King. Donc ça, celui-là, je crois que je l'ai déjà, celui-là. Hein? Ouais, celui-là, je l'ai eu, ouais. Celui-là, je l'ai obtenu, donc voilà. Donc ça me fait une pièce, hein. Ça me fait une pièce, hein. Donc ça c'est une bonne chose à. C'est pareil aussi hein, dans le step-up de la Merlin, si vous pouvez obtenir aussi des doublons des SSR, tant mieux pour vous. Hein. Donc en fait elle est là jusqu'à quand la Valentie? Ah jusqu'au 9. Ah bah je pense que je n'invoquerai pas dessus. Hein. Je ferai pas d'invocation dessus. Hein. Concrètement ça c'est clair et net. Moi, ça va être mis le gaz démon bleu, sauf s'il me reste encore des diamants, éventuellement. Alors. Bon, on fait chou blanc. Là, on n'a rien du tout. On a une brindille. Ah, si, on a un contre. Ah, si, on a un contre. On a un contre. Eh ben, deux SSR. Eh, écoutez les amis, eh, on la commence bien cette vidéo quand même, hein. Deux SSR. Hein. Ah, c'est un diamant qui va péter. Donc là, c'est concrètement ça, c'est le diamant jaune qui va exploser. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme perso? C'est pas celle-là. Descender. C'est pas celle-là. Non. C'est celle-là. Ah, c'est pas la bonne Merlin, je crois. C'est pas la bonne Merlin. Ah si, sorcière suprême. Bah écoutez, paf, Merlin est tombée. Merlin est tombée. Voilà, tout simplement. Là, peu importe à la fin du step-up, ça me fera, comment ça s'appelle, une pièce dans le money shop. Voilà. Donc voilà, dès la première, écoutez, bah écoutez, j'ai de la chance, hein, ma single multi qui est offerte, un SSR avec un doublon, et puis là j'ai la Merline bleue. Donc voilà. Donc ça c'est que du bonheur et on a la première récompense ici. Et on a la Elisabeth aussi hein, de Lyonnaise, puisque je l'avais déjà, la Elisabeth de Lyonnaise. Hein. Donc voilà. Allez, on a Merlin qui s'ajoute.
Donc, je rappelle quand même les techniques de Berlin, hein, quand même. Hein. Alors, elle a infligé des dégâts égaux à 180% à la deuxième étoile, là où ça commence à devenir intéressant, bloque tous, sauf les compétences d'attaque. Donc, voilà. Donc, elle bloque tout, sauf... Donc, en fait, la personne ne fait que d'attaquer. Ensuite, dans sa deuxième utilisation, donc, c'est diminuer les rangs de compétences. Donc, là, ça peut être intéressant à partir de la première étoile, puisque souvent, on se retrouve embêté parce qu'on peut faire que une étoile ou des deux étoiles. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et après, son ultime... Donc ça, c'est infliger des dégâts à 540%, donc neutraliser les compétences d'attaque. Donc ça, c'est un petit peu, je crois, la même. Hein. C'est la même ulti qu'elle avait avant. On va aller voir son costume. Peut-être ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est celle-là, je pense qu'on pourra débloquer plus tard. Et ça donne 180 et résistance critique 7. L'autre, c'est 180 et 2 et 4. 180 et 4. Non, ça, c'est chevalier sacré. Chevalier très malveillant. Mais il est où le UR alors en fait? Ou c'est seulement celui-là, le SSR? 120, 2. Moi j'ai déjà débloqué 180, 2, 4. Donc en fait, ouais, c'est pas intéressant. Les costumes sont clairement pas intéressants. Donc ça, le doublon, je ne vais surtout pas l'utiliser. On va aller faire un tour. Alors, on va aller voir quand même la Valentie. C'est ce qu'elle a été ajoutée là. Voilà. Donc n'oublions pas que Valentie est très très utile avec Meliodas, Démon Bleu. Plus la Lilia dans la team, puisque ça fait une team perforation. Donc, inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à un ennemi, réduit les stats défensifs. Donc déjà, dès la première étoile. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Dans la deuxième, par contre, là, c'est inflige des dégâts égaux à 120% de l'attaque à tous les ennemis. Et là, par contre, réduit les stats offensifs de 20% à partir de la deuxième étoile. Donc vraiment, concrètement, elle est quand même bien. Inflige des dégâts de rupture égaux à 630% de l'attaque à un ennemi, dégâts x2 aux ennemis qui bénéficient de bonus. Et son passif réduit le taux de perforation de tous les ennemis proportionnellement au taux de résistance du héros au début du combat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, plus votre résistance est élevée, bah, plus vous réduisez le taux de perforation des ennemis en face. Pour la Merlin, on n'a pas vu exactement son passif. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Elle est là. Alors, pour le passif de la Merlin, augmente l'attaque de 2% pour chaque malus affectant tous les ennemis. Voilà. Tout simplement. Et on n'a rien d'autre en personnage. Et puis là, maintenant, il y a une nouveauté ici. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'on fait bien attention de vérifier. Maintenant, par rapport à votre classe de combat, vous allez avoir un bonus qui sera ajouté. Donc là, par exemple, là, j'ai 1 million. Donc, c'est là qu'augmente les PV de héros de 3%. Donc, je pense que ça peut être appliqué partout. S'il y a deux bonus de classique dans deux combats identiques, le bonus à cavale la plus élevée sera appliqué. Donc là, il faut une box à 1 250 000. Voilà, pour avoir encore un bonus de PV de 3,5. Là, 4,5, 5. Là, 6, 1,5. Voilà. Donc ça, donc en fait, là, c'est que du PV. Donc je pense que c'est peut-être toutes les semaines que le bonus peut-être change. Je suis pas sûr du tout. Alors, on va aller récupérer ce qu'il y a à récupérer. On va aller peut-être voir le Money Shop. On va aller voir le Money Shop un petit peu ce qu'il y a. Une bague SR qu'on ne s'en sert pas de toute façon. Alors, achat de l'eau. Alors moi normalement l'achat de l'eau. Alors l'eau de renforcement, on s'en fout complètement. L'eau d'amélioration, démon Meliodas total. Je vais peut-être prendre un lot d'abonnement mensuel. Je vais peut-être voir pour en prendre un, ça me ferait 140 plus 30 à la fin du mois. Donc ça serait tous les mois ça. Et éventuellement acheter peut-être... Il est où le... Ah, il n'y a plus le lot de développement. Voilà. Lot de montée de rang, ça peut-être je vais le prendre. Et là, vous avez lot de diamants renforcés étape. Ah, mais par contre, ouais, 4, 5, 6, 7. 26 euros la première étape, donc je trouve que ça fait un peu cher. Là, pour la première étape, ça fait un peu cher, parce que même le lot de montée de rang, vous en aviez une cinquantaine pour 8 euros. Et ensuite, après, ça montait, le prix. Parce que la première lot de montée de rang, c'est 8 euros, après, c'est 23 euros, et ensuite, après, c'est 43 euros à chaque fois. Donc là, en sachant que ça, c'est, il faut être en rang de joueur jusqu'à 60. Donc ça, c'est impeccable, puisque je suis dans les 60, bah, 69, tout simplement.
Le chiffre porte-bonheur d'amour. Alors, nous avons Gozer, donc celui-là je l'ai déjà, donc ça ne m'intéresse pas. Et on a la Elisabeth verte, donc ça ne m'intéresse pas. Donc ça va être une semaine d'économie pour moi. Ah, peut-être éventuellement si j'arrive à avoir le ban vert, parce que le ban vert je ne l'ai pas. C'est le seul que je n'ai pas dedans. Donc éventuellement peut-être l'acheter. C'est celui qui fait des extorsions à attaquer l'ennemi. Vampirisme. Et là, celui-là. Applique extorsion à tous les ennemis. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il me faut. Donc, comme ça, je vais commencer un petit peu à remplir ma box. Après, je sais pas du tout. Je vais peut-être garder d'abord mes pièces et éventuellement voir sur la semaine prochaine, éventuellement. Ah, bah ben non, c'est vrai, le. Ils disent pas les futurs persos qui vont arriver sur le Money Shop. Ça dépend. Ça dépend. Parce que c'est vrai que moi, le démon milieu d'as bleu, je ne l'ai pas. Donc, alors, ce qu'on va voir, on va aller ici. La confrérie, parce que j'ai quelque chose à vous montrer au niveau de la confrérie. C'est un viewer qui m'a fait découvrir ça. Je ne le savais pas du tout. Donc là, c'est une bonne chose à savoir. Alors, comme tout le monde, vous devez savoir, on est tout le temps emmerdé. Vous faites des combats contre les démons. Et forcément, le drop est aux fraises. Puisque en fait, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez avoir beaucoup de cornes. Beaucoup de. Ah, ils foutent pas, hein, ils en foutent pas un rond hein, dans la confrérie où je suis. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de cornes de démons et des fois vous n'en avez pas beaucoup. Donc en fait ce que vous faites, si vous êtes dans une confrérie, ça ne fonctionne que quand vous êtes dans une confrérie bien sûr. Dans votre confrérie, dans le niveau 4, vous avez des espèces de banana split. On appellera ça des banana split. Pour 30 médaillons, donc c'est chaque jour, donc quantité de cornes de démons rouges obtenues 100%. Donc moi je les achète. Donc là, ça me fait concrètement 90 parce que moi, les autres, j'ai toujours les autres, mais alors les cornes de démon rouge, c'est très très rare que je les ai. Donc maintenant, je sais que grâce à ça, il vous faut être dans une confrérie avec un niveau 4 minimum pour les achats pour pouvoir y accéder et pouvoir booster ça. Donc d'ailleurs, on ira essayer hein, pour voir si vraiment ça fonctionne. Combat. Bon, là, les missions d'expédition qui sont ici. Donc comme ça on va aller jeter un coup d'œil. Alors on va passer ça. Ça on s'en va. Ça c'est un petit peu le tuto. Moi je sais comment ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc il vous faut des persos UR. Ok. Oui, c'est bon. Bah, normalement on a un diamant normalement quand on finit le détecticiel. Donc voilà. Alors par exemple, là vous avez un gantelet de défense et là. Donc en fait ce que vous faites, donc c'est là c'est tous les 8 heures, celui-là c'est 8 heures. Normalement, plus prochainement, vous allez avoir une expédition automatique où en fait ça va se remplir et vous allez avoir le choix entre 3 récompenses. Donc moi de préférence, je prends toujours l'argent, je prends pas les autres trucs, puisque les autres je peux les avoir facilement. Donc on envoie. Donc vous faites ça, faites choix automatique. Hein. La puissance ne compte pas. Hein. Voilà. Vous faites ça, vous envoyez. Voilà. On fait pareil aussi là. Voilà. Donc sachez aussi que votre. Ah, là, ça commence un petit peu à descendre. Est-ce que j'aurai assez? C'est bon. Donc il vous faut énormément de persos UR si vous voulez utiliser cette fonction-là, sinon ça ne sert à rien. Et bon oui, effectivement, il y a une classe de combat pour pouvoir faire correctement ces missions-là. Ensuite, on va aller dans le Battle Event. Donc on a un nouvel événement. Donc ça j'imagine c'est toujours la même chose à faire. Donc terminer le niveau 10 fois. Donc ça sort en 2 jours. Terminer le niveau de tonneau de bière récupéré. Terminé après avoir étourdi 3 fois des ennemis. Donc ça éventuellement ça serait bien avec le Méliodas démon bleu. Terminé sans mourir. Donc voilà. Donc on va aller en faire un petit combat.
L'étourdissement, donc moi j'ai ça, hein, donc le das de démon rouge. Bon, ça va être super simple, hein, ça va être super facile. Donc là, il faudrait un personnage qui stunt. Donc je pense que Miliodas démon bleu, Miliodas bleu, ça serait vraiment très très utile. Donc on va aller faire ces missions-là. Donc en 2 jours, vous avez les récompenses. Ça va être très très rapide. Espérons que le Mélodas Lost Vein va arriver assez rapidement sur la globale parce que il déchire à donf. Je l'ai en team sur la Jap, j'ai Estarossa. J'ai le Escanor rouge. Le Escanor rouge n'a rien à voir avec le Escanor vert, je peux vous le dire tout de suite. C'est deux choses différentes. À la seule, ouais, à la petite différence, c'est qu'en fait, son premier skill, en fait, normalement, quand vous êtes à 2 étoiles, il fait monter votre jauge ultime. Alors que lui, dans l'escalator rouge, lui, au contraire, il fait des dégâts avec de la brûlure, mais en plus, il diminue la jauge d'ultime, en fait, des adversaires. Ah, vous avez toujours l'événement avec les tickets violets, hein, il ne faut pas oublier. Allez, on passe ça. Voilà. Est-ce qu'on a un niveau plus difficile? Non, là c'est pas intéressant. Là, à la limite, ouais, peut-être, on va changer peut-être la team. On va faire une petite équipe. Alors, Meliodas, démon bleu. Enfin, pas le Meliodas. Je sais pas pourquoi je dis Meliodas, démon bleu. C'est pas le démon bleu. Il est là. Voilà. Je crois que c'est le bleu, hein, qui fait ça. Ouais, c'est ça, c'est le bleu. Je vais vérifier. De lésion. Non, c'est pas celui-là. C'est lequel milieu d'as qui stun? C'est pas celui-là. Ah, c'est peut-être le vert. C'est le milieu d'as des monts verts. C'est le milieu d'as vert. Alors, on va vérifier. Ouais, c'est celui-là qui stun. Ouais, bah c'est lui. Donc en fait, c'est le vert. C'est le vert, c'est pas le... Ouais. On va mettre la Elisabeth là pour qu'elle puisse soigner. Tac. Donc on a les deux kicks, hein, qui sont compatibles avec elle et on a le milieu d'as aussi. Et là on va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme personnage?
Tiens, on va mettre la IA. C'est incroyable, des fois vous mettez des trucs et en fait ça marche pas. Et Hendrickson. Normalement, on devrait arriver facilement au bah, 93 000. Il faudra que je fasse attention de ne pas. Ce que je vais faire, c'est. Alors. Allez, let's go. Je sais pas s'il faut faire 3 stuns dans la partie ou s'il faut. On va essayer de faire que des attaques avec Meliodas pour qu'on soit sûr qu'il stun au moins une fois. Là, c'est parce que les ennemis sont pas très forts, quoi. Allez, on va enlever ça. Le tout. Alors, Meliodas. Ouais, le Ménodas vert, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ça va en tuer un. Hein. Voilà, tu deux. Oh, on va faire ça. Ah, je suis sûr que ça va stun, mais ça va pas tuer. Parce qu'en fait, si ça tue, ça va pas être pour tes dents. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça aurait été un mob à côté, il aurait tué. Ouais, il fait beaucoup de dégâts comme ça. De toute façon, il n'y avait pas son futur. Alors, voyons voir ça.
Je sais pas s'il me l'a comptabilisé. Voilà s'il faut en faire trois dans le même combat. Ouais, donc en fait, il faut le faire trois fois dans le même combat. Donc il faudra arriver à un combat vraiment élevé pour que ça soit vraiment très très utile. 93, voilà. Donc il faudra que je le fasse trois fois. Dans ce cas-là, ce serait bien de faire plutôt ça. Et faire que du heal. Et puis voilà. On va faire comme ça. En fait, je devrais utiliser deux personnages de heal et puis deux personnages de heal et puis comme ça je serai tranquille. Parce que si j'utilise un pouvoir avec... En fait, j'aurais dû prendre la l'autre Elisabeth. Hein. L'Elisabeth, justement de Lyonnaise, c'est la meilleure. Elle fait monter justement des SP. Ça. Alors, on va se débarrasser.
peur à l'erreur parce que je peux focus que un personnage. Ah voilà, on a le pouvoir. Déjà sur celui, on va essayer sur celui à droite. Tac. On va faire ça. On va faire ça. Impeccable. Voilà. Voilà. Ça. Ça. Si je me suis trompé, j'aurais pu faire ça. Là. Allez, normalement, j'ai le pouvoir. Impeccable. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on va mettre le paquet. Tac et tac. Ça l'empêchera pas lui d'utiliser son pouvoir. Ah ouais, quand même! Ah oui! Récolte pas, Ah, normalement, ils sont morts. Ah, j'espère que la mission sera achevée. C'est là où vous voyez tout l'intérêt de la Elisabeth de Lyonnaise parce que non seulement elle peut heal, mais en plus elle peut monter votre jauge ultime. Voilà, au moins elle aurait l'achevé. Ah, le coup des assiettes, hein, les fameuses coups des assiettes. Hein. Ça, normalement, ils affichent quelque chose. Alors, impeccable, c'est bon, c'est passé. Voilà, avec un peu de persévérance, voilà, il me reste plus qu'à le finir encore 5 fois, et puis, enfin. Il reste encore 2 fois, donc on va faire celui-là, hein, histoire de le terminer. On va en laisser en automatique, on va partir sur une équipe forte. Ou l'équipe Farm AOE. Wendette peut être remplacée par Meliodas Démon Bleu, hein, largement. C'est pour ça que je veux le Meliodas Démon Bleu. De toute façon, vendredi, alors aujourd'hui on est mardi. Vendredi matin, je ferai pas matin, peut-être après-midi. Je vais essayer de recharger mon compte en diamant et on va aller sur la bannière d'invocation de Meliodas Démon Bleu. J'espère l'avoir en 250 diamants. Donc ça fait un cycle complet et il me manquerait 50 diamants pour faire un deuxième cycle complet. Si vraiment au bout du premier cycle complet je l'ai pas, franchement je vais laisser tomber. Je vais peut-être essayer la Valentie. Voilà. Donc bienvenue à tous et à toutes sur le chat, hein, bien sûr. On fait la mise à jour, on découvre un petit peu la mise à jour, on fait les missions de la mise à jour. Par contre, sur la jab, je suis un petit peu dégoûté. J'ai dépensé 500 diamants sur le step-up, enfin sur la bannière où vous avez la Elisabeth divine et Meliodas Lost Vein. Meliodas Lost Vein, je l'ai eu en je sais pas combien de fois. Franchement, j'ai été super content. Et là, j'ai compté, je suis arrivé à 500 diamants. Et sur les 500 diamants, bah, j'ai eu que le Lost Vein. Et oui, j'ai eu quand même quelques beaux personnages, hein, Gloxinia, Estarossa et tout ça. Et mais
Ouais, dans l'ensemble, ça fait quand même cher, quoi. 500, 500 diamants. Et encore parce que j'avais commencé la Jap. Donc, comme j'avais commencé la Jap, donc les diamants se arrivaient assez rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai pu invoquer autant dessus. Mais là, c'est bon, j'arrête. Là, c'est terminé. Là, je vais économiser. Je vais invoquer sur les bannières de base et tout ça. Et voilà, c'est terminé. Tant pis. Quand elle arrivera dans le. Quand elle arrivera dans le Money Shop, là, Elisabeth, ça sera bon. Moi, pour moi, elle me les laisse. Lost Vein, c'est vraiment le must. C'est vraiment le must-have au niveau des personnages. Franchement, il fait des dégâts monstrueux. Il fait des attaques de zone. Il fait des. Ah ouais, non, mais c'est un monstre. En plus, si vous faites du critique dessus, il se fait pas chier carrément. Comment je vais dire, automatiquement, ses cartes, ils montent en rang, hein, quand il prend des critiques. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'ennemis qui prennent des critiques. Le seul défaut que j'ai trouvé, ce qui est un petit peu abusé, c'est. Comment il s'appelle? Le Galant. Le galant, il vous enchaîne. Il vous enchaîne, il vous enchaîne, il vous enchaîne. Et c'est à la fin de son enchaînement, après vous avoir fait des dégâts, que là, les contres, aussi bien avec Estarossa qu'avec Meliodas, ça fonctionne. Et ça, c'est pas normal. Normalement, techniquement, une fois qu'il vous fait le coup, normalement, ça devrait être contré. Bon, même si vous prenez un petit peu de dégâts, c'est pas grave. Et là, c'est quand même assez exagéré. Bon, on va faire. Non, ça, on va faire ça. Ça, je ferai ça plus tard. C'est pas une obligation. Les publicités, de toute façon, c'est pour des coffres d'argent. Dans la mise à jour, alors ça on s'en fout. L'événement, on a combien? On a que 5. On peut en avoir jusqu'à 15. On va aller essayer les tickets. Alors on va aller voir là. Combat. Tout ça on a fait. Les combats de boss, ça je ferai plus tard. Voilà. Les quêtes. Les tâches quotidiennes. Alors on a les tâches de défi et les tâches quotidiennes. Donc on a un diamant, on a deux diamants et on a trois diamants. Et il nous en manque, aller peut-être un quatrième pour essayer de faire une invocation sur la bannière de Valenti. Il nous en manque cinq. Il nous en manque cinq en fait. Il nous faudrait cinq diamants. Il nous faudrait cinq diamants pour être tranquille. Et là on a un, deux. Ah non, on peut les faire. Ah non, on peut les faire. On peut les avoir. Allez, allez, on va continuer. On peut les avoir. On peut les avoir, les amis. Bon, ça, on va commencer la step-up de... Hop. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable, les amis, c'est faisable. Fort. C'est faisable. Sur la bannière. Tiens, j'ai même pas vu les persos qui étaient disponibles sur les bannières. Voilà qu'on aille voir ça. On va activer le tour. Hey,
Allez, on a fini le niveau libre. Ça, on va aller faire la bannière justement de la Valentie. On va voir si on a énormément de chance ou pas, parce que pour l'instant, on a eu de la chance. On a un petit moment. Ah, affrontement, faut que je fasse un affrontement. Ça va être un petit peu plus chiant. On va aller en PVP et on va finir par l'affrontement. Ah bah tiens, écoutez. Voilà notre affrontement, voilà. Si on avait un affrontement avec le démon, comment s'appelle, si ça aurait été le démon, comment s'appelle, si ça aurait été le démon rouge, on aurait pu essayer la bouffe pour voir si ça fonctionnait. Hein. Allez. Ah oui, il a 140, hein, il a plus de patates que moi. Et là, on joue en extrême. Hein, donc, il a deux barres de vie normalement. Alors, le cube parfait. Va monter. Okay, on va faire ça. Ouais, ça c'est dommage parce que vous voyez avec le scanner, tout ce qu'il peut faire c'est envoyer des boules de soleil. On peut pas faire plus. Ouais, il fait quand même pas mal de dégâts. Vous voyez, ça proc pas hein, le machin de Merlin, le cube parfait, là, il passe pas. Hein. Donc là, c'est un petit peu la galère, quoi. Ah, il m'a tué mon Gozer. Et là, j'ai Elisabeth. Elisabeth, c'est pas la meilleure des persos. C'est le king qui peut faire le plus de dégâts sur lui. Et là, en fait, on a deux qui. Donc lui, il a le king bleu, il aurait pu soigner, hein. On va se débarrasser un petit peu des cartes. Ah, c'est dommage parce que franchement, ouais, il faudra un healer. Parce que tous les deux, on a un Gozer rouge et puis en fait, le Gozer, il sert à rien, quoi. Je sais pas pourquoi à chaque fois cette barre-là. C'est assez chiant.
17h, c'est moi ce que je vais faire si je fais ça. Et t'as ce qu'on peut faire d'attaque pour deux tours. Hop! Tiens, ça va. Allez aussi. Ça, c'est le mien, ça. Voilà. Et on va neutraliser ses compétences d'attaque. Donc là, j'espère que le bouclier de Tienne va tenir. De Merlin va tenir. Ah, bah, c'est bon, il est dans les pommes. Rajoute le cube parfait. Ah, il super heal. Ah, et là, il tombe à bien nommer. Ah, il tombe bien là. Ah, nos deux. Là, moi, il est mort. Il est mort. C'est ça qui va pas nous faire chier. C'est mieux qu'il single target quelqu'un qu'il nous tue tous, quoi. Là, c'est bon, on l'a battu. C'est bon. Ouais, voilà. Il sera plus que le PVP à faire. Oh, ça fait rien, l'assiette. Je pense qu'il doit être directement. Normalement, il doit être mort. Même pas. Non, moi là, il est mort. Même pas. Oh, oh la honte. J'espère qu'on va pas mourir là. Ce serait trop la haine. En plus, il se recharge. Ah, c'est bon. J'aurais dû mettre la technique de Merlin. Allez, normalement il est mort. Avec, mon... Impeccable. Impeccable. Ça va, hein? 2, 4, 6, 8, hein. 8 zèles, hein. C'est propre. Allez, on va finir sur le PVP. Vais aller voir d'abord le bonus. C'est quoi le bonus? Le PVP, c'est un seul. Et normalement, on a. Ah, c'est vrai, on n'a pas vu l'événement de croissance. On a ici un événement de croissance ici à faire. Colère chaotique. Là, tant qu'on n'a pas trop avancé sur ça, ici, on va essayer de tout faire. Alors, combat de boss. Terminer le fort de Solgales. Bah justement, je vais aller faire un tour au fort de Solgales. Pour utiliser les tickets. En fait, ce qui est chiant, c'est que pour tous les diamants, il faut avancer le plus possible. Donc, par exemple, là, là, j'ai un peu de 3. Donc là, par exemple, vous faites ticket.
Donc là, en fait, vous pouvez faire 5. Non, normalement, c'est max 5. Voilà. Il y a malheureusement la petite publicité du fichier. On n'a pas trop le choix. Donc voilà à quoi ça sert les tickets. Donc ça sert vraiment pour le donjon de Sol'Gales. Les farms d'équipements, quand vous faites des équipements, que vous voulez farmer, ça peut être très très utile pour ça. Et surtout ne pas les utiliser pour l'instant pour le combat des boss. Parce que le combat des boss pour l'instant, c'est pas comme sur la jungle. Sur la jungle, vous ne faites qu'un seul combat. Automatiquement, vous affrontez un démon. Aléatoire, bien sûr. Alors que là, c'est justement, c'est aussi aléatoire dans la version globale parce que vous savez pas quand est-ce que la barre va se remplir à 100%. Ça peut être à n'importe quel moment. On va passer. Eh ben, on a un diamant, c'est impeccable. Alors, on va passer. Vous avez 5. On va passer celui de l'or. Comme ça, on pourra retourner la roue. Donc là, il nous manque un diamant. Il nous manque un diamant. Est-ce qu'on va retourner la roue et récupérer encore Voilà, concrètement, ça sert vraiment à ça. Bon, ça, c'est super la publicité parce que ça bug carrément. On n'a pas d'image, on a le son, on n'a pas d'image. Voilà. Allez, 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 allez. Alors, espérons qu'on va tomber sur le diamant, mais on est sûr d'avoir le diamant garanti sur le PVP, de toute façon. Allez, la petite croix là. Allez, allez. On s'en fout de Final Fantasy. Non, on a eu un livre. Et on a encore une dernière publicité. Une dernière chance. Allez. Ah, j'espère que Valentine va tomber. Ce serait vraiment cool qu'elle puisse tomber en deux multi. Ce serait vraiment la classe. Ce serait vraiment la classe royale. Là, moi, ça me rassurera un petit peu sur Meliodas Démon Bleu. Ah, j'ai peut-être une chance peut-être de l'avoir. J'ai peut-être une chance de l'avoir. Oui, allez, la diamant est tombée, voilà, impeccable. Allez, on va pouvoir aller faire nos invocations, les amis. Allez, let's go. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. On a eu une chance incroyable tout à l'heure avec le single gratuit. Et là, donc là, vous voyez, 30 pour la première et 1 pour la deuxième. Allez, par contre, ouais, j'ai pas regardé en fait ce qu'il y a dans les bannières. Alors là, on a quoi? On a Merlin, on a Meliodas Vert, impeccable. Elisabeth de Lyonnais, ça c'est donné. On a Ban, celui-là est pas mal. On a King des Forêts, Roi des Forêts, il est très très utile contre le démon gris. Gozor Bleu, non. Elbram, non. Bon, bah, c'est un petit peu, voilà. Il y a pas mal de bons personnages, on a quand même Hélène. Mais voilà, ça c'est moyen. La bannière, elle est assez moyenne. Maintenant sur celle de Valentie, on a quoi? On a Valentie hein, avec un taux de drop augmenté. Elisabeth, Princesse Hawk. Après c'est vraiment des passages, on n'a même pas Escanor quoi. On a Galante, Galante je l'ai toujours pas. Ah Escanor si! Ah on a lu Escanor. Allez, on croise les doigts les amis. Première multi du step-up de Valentie. Allez, espérons que la chance sera avec moi aujourd'hui. Ah merde, pas de hook. On a une branche, ça sent pas bon. Et pas de lumière qui, pas de yeux qui clignotent. Ah, il contre quand même, donc on a quand même du SR. Mais ça va pas être le pool de l'excellence. Ouais, bleu. Il va se faire démonter. Ah non, il réussit à faire péter. Allez, on va la passer, celle-là, on s'en fout. Intéressant. Allez, celle-là, un diamant. Allez, on croise les doigts, espérant que Valentine va tomber. Ah merde. On a l'arme, mais voilà quoi. Non.
Voilà, deux poules de merde. Ça fait deux poules de merde. Dommage. Voilà, on arrive à l'étape 2. On verra ça vendredi, hein. Vendredi, je verrai ça dès que j'aurai fait quelques invocations. Au moins faire le tour de la rotation, au moins de... Comment s'appelle de celui de Meliolas, parce que comme vous pouvez voir, même pas, je peux faire deux rotations. Parce que là, normalement, au bout de 60... Ouais, au bout de 60, en fait, je peux faire... Je peux avoir un SSR garanti. Donc, en fait, avec 190, ouais, à peu près 190, ouais, ça pourrait le faire. On pourrait peut-être éventuellement peut-être avoir soit ce personnage-là ou un autre. Faudra voir. Faudra vraiment voir. Voilà, un petit peu la vidéo qui se termine parce qu'on va pas voir plus de choses, hein. Moi, je vais continuer mon farm habituel. Et je vous ai quand même montré un gros paquet de choses quand même à faire sur cette mise à jour. Hein. N'hésitez pas à stacker aussi vos diamants. Hein. Sachez que quand vous faites du PVP, hein, vous avez au moins minimum 18 diamants et tout ça. Et ensuite, vous pouvez avoir beaucoup plus. Et n'oubliez pas de farmer. Là, c'est 15 maximum. Donc, vous pouvez en faire 3 par jour maximum. Voilà, un petit peu ce que ça donne sur cette mise à jour-là. Je vais vous laisser profiter de la mise à jour un maximum, de bien vérifier, de ne pas manquer certains événements. N'oubliez pas de faire l'invocation, comment s'appelle, journalière, hein, vous pouvez le faire pendant 10 jours et tout ça. Et ne manquez pas les vidéos de la chaîne. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de vous abonner à la chaîne tout simplement. Surtout de faire un max de pouces bleus, hein, des vidéos que vous regardez. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les moindres prochaines vidéos de la chaîne et des lives. Voilà, je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne fin de matinée, amusez-vous bien et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!